j'ouvre le micro. Bonjour tout le monde. Attendez, je vais activer la caméra. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas mis mon chapeau du jour, moi. Attends. C'est le même qu'hier, je suis désolé, mais j'ai que celui-là sous la main en attendant. C'est le boxon de mon côté, je vais vous raconter pourquoi. Alors. Bonjour tout le monde. Ouais, pardon, c'est le temps que j'ouvre les canaux audio, vidéo, etc. Là, j'ai ma lorgnette de webcam quand j'ouvre le canal vidéo de ma tronche. Voilà, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde, bon dimanche matin. Alors, je suis désolé, pas de console pour le moment, ni PS2 ni PS3. Pour tout vous avouer, je me suis fait avoir en beauté au niveau des câbles. Souvenez-vous, vendredi soir... Pourquoi il me le met pas en plein écran, cet idiot? Je vais provoquer dans les options, on dire vidéo plein écran. Souvenez-vous, vendredi soir, je vous avais dit, je suis emmerdé. Mon écran, ma carte graphique la plus puissante, celle qui gère mes jeux normalement, elle était sur l'écran secondaire. Donc j'avais quelque chose de rapetissi. Évidemment, pour le confort, il fallait que je mise sur le grand écran. Ce qui fait que j'ai changé mes câbles. J'ai interverti mes câbles, j'ai fait un jeu de remplacement de câbles. Ça va se stabiliser, Nachev Man, le côté flou. Ça va se stabiliser, puis attends, moi j'ai fait une bêtise dans les options vidéo. Déjà, je suis pas en plein écran. Je vais vous émettre le signal. Ouais, faut que ça se stabilise. Et en intervertissant mes câbles, en fait, pour avoir le confort, moi, de mon côté, je me suis retrouvé un câble HDMI plus long pour la console. Problème, c'est que ça tient pas la charge. C'est-à-dire que je perds ce qu'on appelle la portance. Le câble est tellement long que le signal s'affaiblit trop. Donc, quand j'essayais de capter la PlayStation, le problème, c'est que j'avais une seconde d'affichage, une seconde de mire, alternativement. Il n'arrivait pas à tirer l'information et à stabiliser. Donc, il faut que je revoie encore ma config technique. Et il va falloir que je réfléchisse sérieusement la semaine qui arrive pour que ce soit stable le week-end prochain. Je suis désolé, mais ça fait partie de la technique. Hein. Pour ceux qui diffusent, vous connaissez les galères. Oh, merci Nayonet, tu vas me gâter tout à l'heure. Oui, si tu penses au camion, ce sera cet après-midi. J'arrive même pas à lire ce qu'il y a sur la droite, dit Nachev Man. Alors, c'est inquiétant que tu n'arrives pas à lire sur la droite, parce qu'en fait, la droite, c'est le chat qui est en surimpression. Et en fait, c'est directement géré depuis le portable. Donc, on peut pas mettre en cause ma captation de console et d'image. Donc, si tu vois pas que c'est flou, c'est que j'ai dû merder la résolution du greffon pour les... Il faudra que j'améliore la résolution, j'ai dû en mettre une trop basse. C'est pour ça que c'est gras et pas joli. Désolé. Bon, on va dire qu'on est en expérimental. Non, c'est ma droite sur l'écran de jeu, de l'autre côté en fait. Ah oui, du côté des objectifs. Ouais, mais alors... Ça, c'est une critique que je veux émettre par rapport à Dying Light. En dehors de tout système de Twitch ou ce que vous voulez, le jeu en lui-même, je trouve que même moi, alors que j'ai un grand écran, je me flingue les yeux pour lire parce que c'est trop petit. J'aurais aimé qu'ils fassent une pose de caractère plus grosse. C'est eux qui ont fait un choix pour foutre des pavés à l'écran en instruction. Je suis pas... Voilà, moi aussi ça me dérange. Je pense pas que je puisse augmenter le... Non, il n'y a rien. Je peux pas augmenter le texte des requêtes sur la droite dans l'interface de jeu. Non, bah non, c'est propre au jeu. C'est à moi de vous lire de vive voix, en fait, les requêtes. Je sais pas si vous... Ah non, vous voyez pas super bien ma tronche. Minute papillon, je vais mettre la lampe d'appoint.
Voilà, vous voyez un peu mieux ma tronche, c'est doublement éclairé de manière équilibrée. Oui, donc je vais vous lire les instructions. C'est la quête où est ma mère, aller parler à Yasmina, la fille d'Aïda, et trouver Haroun. Ah oui, c'était les gamins qui avaient voulu suivre leur mère, ce qui est parfaitement naturel. Mais lors du truc zombie, ça a mal tourné. J'en étais là, dans l'histoire. Attends. Ah, il faut que je refasse le coup, il n'y a personne dedans. Ouais. J'ai perdu la main. J'ai l'impression que le mec il a gueulé en français. Reviens. Attends. Ah oui, la lampe torche elle est là. Mais il n'y avait rien à prendre ici. C'était vide. Il n'est pas là. Dans ce cas, vous feriez bien d'aller le chercher. Aïe 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 aïe. Ah. Où puis-je trouver Haroun? Probablement sous le pont. C'est là que vivent la plupart des trolls. Il doit être en train de manger des têtes de poisson. Alors, continue l'enquête d'investigation. Pourquoi il me dit loin là-bas? Il m'indique qu'il y a... Oui, c'est bizarre. On le fera en dernier parce que c'est trop loin. À mon avis, c'est la bonne solution. C'est le truc qui est le plus éloigné. Sinon, c'est pas drôle pour les concepteurs de la quête. Bon, le camp de pêcheur est pas mal grand. Hein. Ah, il y aurait quelqu'un dans... Tiens, on voit quelque chose, la lumière. Oh, c'est des gamins. Boyoul. Oh, Yasmina. Yasmina, j'aimerais aider ta maman. Tu veux bien me parler? Ta maman est en danger. Je dois la retrouver. Elle est partie. Elle a été mordue. Haroun dit qu'on ne peut pas rester ici quand on a été mordu. Je vais l'emmener dans un endroit où il y a des médicaments. Ils ne la chasseront pas. Maintenant, tu veux bien me raconter ce qui vous est arrivé à ton frère et toi? Jamil et moi, on s'est glissés sous la barrière pour retrouver maman. Ça nous a pris du temps. Mais on l'a trouvée dans les maisons, derrière le tunnel. Sauf qu'il y avait un mordeur là-bas. Il m'a mordu. Alors ma maman l'a frappé sur la tête. T'as été mordu? Juste un tout petit peu. J'ai essayé de m'enfuir. Et ta maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a mis dans une maison. Et puis elle est partie chercher des médicaments. Quand elle est revenue, elle a dit à Jamil d'attendre là. Et puis, elle m'a emmenée chez le monsieur. Est-ce qu'il vous a donné le médicament? Oui, et il a dit qu'il nous en faudrait plus à toutes les deux. Mais que maman et moi, on pourrait rester dans son sous-sol pour lui servir de jouet. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Mais ma maman a eu peur. Elle l'a frappée et elle m'a dit de m'enfuir. C'est ce que j'ai fait. Tout va bien, Yasmina. Je vais la retrouver. Où est-ce qu'il vit, cet homme? Je ne sais pas trop. C'est une maison avec des marteaux et des haches. Et où se trouve ton frère? Jamil se cache dans la maison avec les fleurs rouges. Tu es une petite fille courageuse, mais tu dois rester ici encore un peu. Et rester loin de Haroun jusqu'à mon retour. Vous allez vraiment chercher mon frère et ma maman? Bien sûr que oui. Merci, monsieur. C'est super sordide. Le gars, activité pédophile, tout va bien. Dur. Nashevman, oui, je reviens vers toi. Tu dis, je comprends pas, j'ai les mêmes paramètres que d'hab et c'est plus pixelisé qu'avant. Gaïonet dit, c'est un peu flou. Ouais, les sous-titres sont plus fous, c'est normal, c'est la config. Parce que par rapport à hier, normalement, j'ai pas changé mes paramètres de diffusion. Donc, je comprends pas. Je regarde ma tablette bêtement quand je regarde de côté. Je regarde le signal que je vous envoie. Je n'étais pas encore passé depuis que tu as deux PC. Ah oui, alors il y a une perte. En fait, je diffuse un peu façon vieille télé. Là maintenant, je diffuse tout en pâle. Donc c'est faussement du 720p. Oui, alors pour moi c'est normal. Oui, je suis désolé.
Zona the Space Dog. Epic video game adventure you will never forget. Oui, on n'est pas prêt d'oublier, oui. Le chien dans l'espace Zona, oui, c'est original. Le poster là, je l'avais pas encore vu. Trop drôle. Ouais, bah je suis dans le rétro d'Echelman. Voilà, diffusion années 90. Je m'arrangerai pour faire une transition de scène, vous aurez de la neige. C'est chiche. Aïe aïe aïe. On fait avec ce qu'on a, hein, les garçons, je suis désolé. Non, lui, c'est un vendeur, je crois. Tobias. Et qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? Je m'appelle Crane. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Tu plaisantes? Je m'appelle Tobias J. Bagwell. Et je conçois des armes incroyables. Des armes pour tuer les zombies. D'accord. Je vais te laisser bosser, dans ce cas. Non, attends, pars pas. J'ai presque fini mon arme de destruction massive. Elle est monstrueuse. J'ai juste quelques réglages à faire. Et tu vas pouvoir m'aider. Moi aussi, j'ai quelques réglages à faire. On voit l'émoticône en bas de l'écran, en fait, qui est en lévitation. Il faut vraiment que je la mette en bas. La banque de bol, ça cachait le sous-titrage. J'ai vraiment plein de choses à peaufiner. Ah, je vais m'amuser comme un fou. Aïe, aïe, aïe. De Mano. Pam, 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 yeah. Ah ouais, elle bosse. Ok, bon, elle bosse dans le potager. Attends. Ta, 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 ta. Je me méfie des trophées planqués. Hein. Je me méfie. Parler à Haroun. Oui, mais Haroun, il est loin, là. Il est... Attends, je regarde ma carte. Il est à 15 bornes. Ah non, il n'est pas à 15 bornes. Non, il est planqué dans la... au niveau du tunnel. Ah oui, sous le tunnel, bah oui. Il m'avait dit sous le tunnel. Il faudra que je revienne à la boutique. Sous le pont, mais où exactement? Les communications radio sont bien meilleures. Oui, c'est bien que la radio soit bien meilleure. Surtout, ne me regarde pas, vilaine, quand tu parles. Bon, une petite nage. Ah, j'allais dire, j'ai encore pied. Presque. Alors oui, vous voyez pas... Si, vous voyez un peu l'indication, vous voyez 82, c'est mon nombre de cocktails Molotov. Là où il y a ma caméra dans le billage. Ah, il est là-bas. D'accord. Une petite nage... Ah. Haroun? Vous voyez pas que je suis occupé? Pourquoi vous avez obligé cette femme à quitter le village? Vous parlez d'Aïda? Elle est infectée. Tous les infectés doivent partir. C'est la règle fixée par Gourcel? Personne veut prendre les décisions difficiles par ici. Alors je l'ai fait. Si Aïda voulait pas être chassée, elle avait qu'à pas se faire mordre. Pas de chance. Mauvais karma, sayonara. Et ses enfants? Eh bien quoi? Y a pas d'antisine ici. Je leur ai rendu service en leur évitant de nous voir tailler leur mère en pièces quand elle se serait transformée en putain de goule. Je commence à ne pas vous aimer. Hé! Je cherche pas les ennuis. Vous avez l'air d'un brave type.
Alors bonne journée, d'accord ? Il me dit trouver la maison avec les fleurs rouges derrière le tunnel. Ouais, c'est là où il y a le... Allez vous faire foutre. Oh l'hôte. Tiens d'ailleurs, il a pas un trophée dans sa zone, il n'y a pas un truc de caché. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Ah, bizarre. Attendez, apparemment il y a des choses, on peut monter dans le pilier. Le pilier est creux. Tiens, tiens. Oui, je vais boire un coup, t'as raison. Merci, Nayonet. Bon. Peut-être quelque chose. Oh la vache. Eh. Merde. Oula, j'ai eu peur. Aïe. Ah merde, c'est fermé. Eh, vous pensez qu'il y a un truc tout en haut? Moi, je la tente, hein. Je vais sûrement me tuer, mais je vais la tenter. Ah bah non. Oh non, il doit y avoir un truc en haut, c'est pas possible. Merde, je suis merdé. Je suis sûr qu'il y a un truc. Je suis sûr qu'il y a un truc en haut du Schmilblick. Attends, je réapparais dans le camp de pêcheurs. Ah bah tiens, du coup, il va y avoir le vendeur. Bonjour Christella, oui paf comme tu dis. Non après le reste. Vendre peut-être, je vais peut-être lui vendre des trucs. Non j'ai rien. Oh j'ai que Puik. Oh pour une fois que j'ai rien. J'ai vraiment envie de me frotter au pilier creux là. Ça m'intrigue. Ça a aucun rapport avec la ce que je fais, mais bon c'est pas grave. Ça peut pas me laisser indifférent. Hop là, une petite tête. C'est beau. Hop. Hop. Ah oui, ça me semblait tellement haut. Sur le coup, j'y croyais pas. Ah bah tiens, le gars s'est barré. La bonne blague. Attends, je peux le faire. Je peux le faire, je peux le faire. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un truc en haut. Mais non! Oh non, mais il aurait dû se rattacher à la rambarde. Oh là 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 là. Ah, t'as eu un peu de mal à t'endormir, Christella. Hein? Enfin, si au final la nuit de sommeil a été bonne, c'est l'essentiel. Ouais, je sais qu'il est... C'est pas possible, il doit y avoir un truc. S'il y a rien, franchement, je suis déception. Attends, je cours, je cours. Oh, elle a vu quelqu'un escalader, je sais pas quoi. Oui. Allez, allez, cette fois-ci, je le fais en accélérant. Allez. Ouais, côté de la barque. Hop, 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 hop. Oui, c'était sympa le concert à Poupon. Alors j'espère qu'il n'aura pas de soucis. Je trouve qu'il a pris de sacrés risques.
Parce que je suis pas sûr que le fait de supprimer juste derrière la rediff, ça le sauve. Enfin bon, bref. Mais ouais, j'ai écouté, je crois, la première heure. C'est vrai que c'était sympa comme ambiance. Non, y a rien. Non, y a rien de rien. Je ne regrette rien. Ah ouais. Ok, je suis pas mort, c'est bien. Il n'y a que puits que je suis dégoûté. Il n'y a rien dans la passerelle. Bon, je me suis fait bobo, mais sans me tuer. Alors, je retourne dans le dicamp. Bon, bah j'en ai le cœur net pour le coup. C'est beau, on voit les fonds marins. Hop, ok. Alors, trouver la maison avec les fleurs rouges derrière le tunnel. Ça, c'est de la mission. T'as vu comment c'est plus simple de communiquer par radio ? Ouais, mais c'est au-dessus. Attends, la maison avec les fleurs. Attends. Ah. C'est dans la partie haute de la ville. Il faut que je réalise une ascension là. Dans cette histoire. Hop là. Aïe. Chaud. Allez, c'est parti pour l'action. Oh là 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 là. Elle est un peu trop pâle. Donc la merde. Oh, je pensais que tu avais suffi, mais pas du tout. Ça commence. Merci. Ah, au moins que j'ai des coups puissants qui... Voilà. Violence. Quoi, 10 dollars pour ta tronche, mais ça parle mal. Je ne sais plus ce que j'en entends. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, lui, il était là depuis longtemps. Cette musique. Ah, mais c'est un zombie, ça. Oh, cette posture. Voilà. Ah, elle est pas moque. Voilà, on n'en parle plus. La maison avec les fleurs. Je prends le risque de descendre comme ça. Oh non, je vais me faire mal. À moins que le palmier... Il n'y a pas de palmier. Merde. Ah non, mais c'est la mort, ce truc. Doucement. Alors, le quartier est ici. Je peux me soigner, je me suis fait très mal. Alors...
trou, plein mon dalle. Oh oh, j'ai un gros souci là. Oh là là, je suis dans la mouise, je vais changer d'arme. Merde, il m'a fait mal lui. Ah, c'est super excité. D'accord, ok. Tout va mal. Ah, mes armes étaient déjà bousillées. Tiens, c'est rigolo qu'ils prennent pas le... Voilà. C'est efficace. Oh, oh, oh. L'autre, comment que je l'ai planté en mode bronzette sur la falaise. C'est énorme. Non, il va sauter, cet idiot. Ah oui, il se laisse tomber. Tiens, vas-y voir que à l'arc, j'essaye de lui péter le genou et qu'il tombe en avant. Oh merde. Ah, la visée est pas top top. Oh, bah merde alors. Ah, elle, ça marche. Bah, oh. Voilà. Oh, ça lui est passé à ras les... Oh, hey, c'est pas fiable, hein, la visée. C'est vraiment perfectible. Oh, magnifique, il se tire en pleine tête. Ah, j'y prends goût. Hein? Oh la vache, il m'a fait quoi, lui? Oh, joli. Ah, ça marche bien. Waouh, trop bien. J'adore les flèches. Alors qu'il y a les flèches, je vais devenir complètement fan. Ah, puis je les zigouille avec une violence. Trop fort. Ça marche. Nickel. Ah ouais, ah ouais, comme tu dis, méfiez-vous d'un sage qui joue avec un arc, parce que là j'adore. Là j'y ai pris goût, vraiment méchant. Oh, comment que la cervelle a giclé, quelle horreur. Mais c'est trop bien. Attends, j'ai une usure de l'arc? Non, il n'y a pas du... Enfin, ouais, non, j'ai un quota de flèches, mais... Oh, trop bien l'arc, c'est l'arme ultime. Je me séparerai plus jamais de mon arc. Y a rien qui justifie, c'est trop bien. C'est l'arme parfaite. Merde, il y a encore des zombies? Ah oui, il y en a un qui est planqué à l'ombre. Ah non, mais trop bien. Ya 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 ya. Non, bon, ça marche pas. Ah, c'est une super excité en plus. Voilà, pan. Merci. Ah. Oh là là, les enragés. Mais non, je peux me re-soigner effectivement. Parce que... Voilà, on n'en parle plus. Ah oui! Un gars avec une bonbonne de gaz. Bouge pas. Arrête de bouger. Merci. Ah, mais le gars il a pas. Oh, je suis déçu, je m'attendais à ce qu'il explose. Tellement plus drôle. Allez, pan.
Ah, oh, je m'en lasse pas, j'adore. J'adore ça. Aïe, aïe, aïe. Les gamelles. Voilà. Ah. Oula. C'est marrant, faut toujours qu'il y en ait un de super excité. Ça y est, j'ai eu le super excité. Bon. Là, vous êtes un peu nombreux, j'ai plus d'explosifs. Dommage. Dommage, dommage. Parce que c'était rigolo. J'ai vraiment pas une bonbonne quelque part. J'essaye de regarder à vue, mais visiblement, c'est là. Hop là, joli. Rien. Là, on peut rejoindre la civilisation avec la tuture. Allez, j'ose faire diversion, que je rigole un petit coup encore. Hop là. Ah, ça en excite plus d'un. Il y a encore un autre tonneau, j'ai l'impression. Enfin bon, bref. Oh, une batte composite remarquable. Ça fait des... Merde. Je me suis trompé d'action. J'ai vu que je me faisais agresser. Ah, c'est peut-être un peu haut là. Si vous y arrivez. Joli. Cette vision d'horreur. Au suivant. Ah, lumière. Oula. Non, visiblement il n'y en a plus. Bon, bah allez. C'est rigolo. Ah, c'est tellement tentant. Tellement. Ah, sauf que j'ai mal lancé le truc, donc j'ai plus accès à la bonbonne. Dommage. Oh, non. Il aimerait bien m'atteindre, mais il peut pas. Dans le genou. Quoi ? Oh, en pleine tête, allez. Il fait suer. Ah, mon mec. Alors, l'état de mes armes, c'est pas tout de rigoler comme un fifou. Ah, ouais. Ouais, tant pis, il fallait que je répare ma batte de baseball parce que là, elle finissait par péter. Donc, j'en oublie ma mission tellement que je me marre. Oh la vache. Waouh, la mort, le truc. Oh, le saut de mort, il l'a fait. La maison avec les fleurs. Ça, ça a l'air d'être pas mal fleuri comme baraque. Enfin, végétalisé, on va dire. Alors, j'ai une malle ici. Il n'y a pas de porte. Ouais. C'est scellé. Là, j'ai du matos. Descendre en face.
y a rien d'intéressant. Alors, la maison végétalisée, la voilà. Ah, j'entends un gémissement de zombie. La question est pourquoi. Wow, il y avait un pound shop ici. Avec les fleurs rouges derrière le tunnel. La maison avec les fleurs. Merde. Avec les fleurs rouges. Alors, ah, j'entends un gamin pleurer. J'entends un gosse qui pleure. Wow. Merde. Il y a un pauvre gosse qui chiale. Est-ce que je peux... Ouais. En étant sur le toit, déjà, c'est un gros plus. Ah bah voilà. Il y a un dessin de Marelle. Alors, attention, il y a plein d'ennemis. Il y a du peuple. Merde, je l'ai loupé. Ah. Merci. Oh, quelle horreur. Wouah. Oh. Ah, j'ai cru que c'était un document. Je crois qu'il y avait ça dans le... Ah, bah tiens, moi qui parlais de document, le v'là. Il y a un sous-sol, attendez. Ah, oh, c'est horrible d'entendre les gémissements du petit ou. C'est vachement bien fait, les gémissements du gamin, c'est horrible. Je ne veux même pas savoir comment ils ont enregistré les gémissements du gamin. Oh là, il a voulu faire un Gartic Phone là ou quoi? Ouh là là. Oh la statue. Oh yeah, attends, il y a... Oh, je sais pas si c'est mieux avec la lumière. Ils ont demandé l'usage de mon fouet. Oh. Ah, j'ai... Ah non, c'est la table des multiplications. Ah, il faudra le dire à Fun Fan. Je sais pas si vous arrivez à lire. Lui qui disait qu'il a rajouté la table de multiplication par 11. Là, celle-ci, elle va jusqu'à 12. Me demandez pas pourquoi. Et il y a un dit Serpinski triangle en dessous, avec des figures géométriques. C'est la table de travail du gosse. Ah ouais, la table de multiplication par... par 12. Bon. Moi aussi, je m'arrêtais à 10, mais bon. Comment ça utilise? Ah oui, qu'il n'y ait plus d'entrée de monstres. D'accord, j'avais pas compris l'action. Je pensais que j'allais ouvrir la tap. Je pensais que j'allais ouvrir là. Je sais pas où est le gosse, mais.
De toute façon, ici, c'est pas sécurisé, alors ça va pas. Bouge pas, gamin. J'arrive, gamin. Ah, je m'éloigne des gémissements du jeune. La maison avec les fleurs. Non, j'aurais pas dû descendre au sous-sol, moi. Là, y'a quoi? Bizarre. Ah, y'a de la bouffe. Les zombies, ils sont tellement débiles qu'ils m'ont même pas vu rentrer par la fenêtre. Parce qu'ils auraient l'occasion de me choper, mais ils ne font rien. Ah, hop là. Ah, une bombe de gaz. Mais je ne peux rien en faire. J'ai pas réussi à localiser le gosse. Où est-ce qu'il est, le gamin? Ouh, une mouflette est où? Tiens, ça peut servir, ça. Oh! Ah. Oh! Mais comme il est encore en mouvement post-mortem là, voilà, merci. Merde. Attends, je vais reprendre de la hauteur. Putain, il y a du matos partout. Attends, là j'ai. Non mais c'est dingue, hein, j'ai un mal de chien à trouver le gosse. Les gémissements, je sais que je me rapproche, mais la maison avec les fleurs rouges. Sécuriser la maison où Jamil se cache. Ah bah j'y étais. Bah merde, j'ai pas vu le gosse. Je suis bigleux. Merde, j'ai un super excité. Ah oui, j'avais. J'ai rien qui m'intéresse. Ah, c'est ça, sa baraque. Oh là 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 là. Comme ça, bleu. Là? Ah non, je peux pas péter le truc. Eh oh, calme-moi. Oh non, il y en a un autre. Oh là là là, je suis en train de me faire exploser. Ils sont tous donnés rendez-vous. Moi je dis, ça mériterait que je fasse diversion. Comme ça. Ouah. Pas boum. Oh, je suis déçu. Bah. Bizarre, là. Bah. Eh, hey, j'ai tiré dessus. Hey, faut rater la déconnade. Plus bas? Eh non. Bah, ça compte pas. Ah non, mais là, je suis vraiment déçu, là. Mon angle de tir qui est pas bon, ou c'est moi? Lui, j'arrive à l'avoir. Ah oui, j'ai touché. Non, là, je comprends pas. Bon, bref. Le gosse. Il était bien dans la baraque en face, en fait. Il était bien dans la baraque en face. Ah merde, j'ai mal fouillé, j'ai oublié de fouiller le frigo. Ah, de la bouffe, je veux bien. La bouffe m'arrange bien.
pas fait. Ça y est, j'ai un excité de service. Le pauvre gosse. Donc c'est la baraque en face. C'est la baraque en face. Ouais, le gamin il est là. Oh merde, c'est la nuit, c'est ça. Arteux, c'est la nuit. Sécuriser la baraque où est Jamil. Ah oui, comme ça. D'accord. Je viens seulement de percuter. Bon, c'est considéré comme étant sécurisé. Bonjour, Fanfan. Oui, le zombie armoire. Très fort. Tout va bien, madame la marquise. Et le gosse, il est là. Du calme, je veux pas te faire de mal. Tu es Jamil, c'est ça? Oui. Je cherche ta maman. Est-ce que tu peux me dire où elle est? Yasmine a été mordue par une de ces créatures. Alors maman l'a emmenée chez un monsieur qui avait trouvé un médicament tombé du ciel. Elle a dit qu'il s'appelait Salim. Et tu sais où il vit, Salim? Près d'ici, dans l'atelier. Écoute-moi, Jamil. Je vais aller chercher ta maman et revenir te chercher ensuite. Tu m'attends ici, d'accord? D'accord, mais revenez vite. C'est promis, ne t'inquiète pas. Pauvre gosse. Ah ouais, il est en état de stress. Ouais, pauvre Billy, comme dit Nash. Ouais, c'est dur. Trouver la maison des Salem. Alors, ce qui est horrible, c'est que c'est la nuit. Pourquoi il me dit que je suis dans une zone sécurisée? Oui, pour le gamin, mais... Oh putain, pardon, je parle mal, mais il y a un orage. On pourrait croire que c'est FunFan qui a pris le contrôle du monde virtuel et qui a dit orage maintenant. Voilà, voilà, pour FunFan, dédicace. Moi, je bois un coup en attendant. C'est littéralement un ouragan. Ah oui, vous voyez pas la finesse de la pluie. Moi j'ai la chance de le voir, mais comme voilà, j'ai mon signal dégradé, manque de bol. Oh, je vais essayer de tenter une réparation gratos par le menu. Ça peut marcher là de ma hache. Alors il me le compte ou il me le compte pas? Je la tente. Non, il me l'a compté, merde. J'ai un petit bonus, je sais plus, j'ai une chance sur 5, un truc comme ça, ou sur 4. Qui ne comptabilise pas la réparation. Donc je serai dans une baraque sécurisée. Ok. T'as l'ouragan qui fait grave flipper. Oui, mais pour faire passer la nuit, je suis comment? Faut que je clique sur un matelas. La zone sécurisée. Non, ça va. Non, je suis pas vraiment d'accord. Zone sécurisée, mais surtout pas du tout équipée, quoi. J'ai pas mon sac à dos et j'ai pas le matelas pour faire passer la nuit. Le lit du gosse, ça compte pas, j'ai essayé. Ah, zone sécurisée quittée, j'aime bien. Dès que je vais là sur la terrasse, là, je suis considéré comme mort foutu. Ça fait plaisir. Voilà, monte sur le toit. Il faut que j'essaye d'atteindre une zone. Parce que là, de nuit, je suis pas dans la mouise. Quelle est la zone sécurisée équipée la plus proche? Elle est là. Eh ben, je vais essayer d'aller là. En y allant de toi en toi, avec un peu de chance, je vais pas me faire repérer. J'ai dit avec un peu de chance. Oh, les arcs électriques là-bas.
Oh la vache. Oh merde. Oh merde, je peux pas. Je peux pas là. Oh là là, ça court partout. Ils détalent comme des fous furieux. Waouh, mais c'est abusé. C'est abusé. Du coup, il faut que j'anticipe par où je vais me barrer. Ça serait bien d'aller vraiment à mort dans les hauteurs. Je suis un peu loin, mais ouais, ça passe. Là, j'ai un appart à visiter. J'ai un appart à visiter. Oyez, oyez. Petite boîte. Oh, génial, du plastoc. Ouais. Non, après ça, je suis foutu que j'ai rien d'autre. Ah, il y a une bonbonne là. Je pourrais faire diversion. Tiens, je les excite. Excitons-les. Oh, merde. Alors, je pensais pas que le souffle à cette distance allait m'avoir. Ça, c'était pas prévu au programme. Oui, poursuite évitée, oui, tu m'étonnes. Ouais, j'ai des points bonus, cool. Merde, y'en a un qui m'a repéré. Plus qu'un, à mon avis. Ah ouais. Hop là. Hop là. Hop là, ah c'est pas mal. Hop là. Merde, il y en a un qui m'a vraiment vu. Là là là, je suis dans la mouise. On se le dise. Hop là. Hop là. Je sais pas jusqu'où je vais aller comme ça. Oh, mais c'est pas, mais c'est un félin. C'est un homme félin. Catwoman peut aller se rhabiller. Et hop, il me voit plus. Vous m'avez perdu de vue. Oh la vache, le suspense est haletant. Alors. Oh, 174 points d'agilité. Et on voit la belle lune pour une fois qu'on la voit. Bah finalement je monte sur mon objectif moi. J'aimerais passer sur le toit, mais je sais pas comment. D'ailleurs c'est con, j'ai tout cafouillé du coup. Ah oui, du plastoc. The Seed. Balai The Seed. Ah oui, ça va, il y a un truc. Là. Merde. Oh la vache. Et on a des excités. Oh, j'ai survécu, explorateur. Oh. Oh, 6000 points d'expérience. Énorme. Il considère que c'est déjà l'aube. Waouh. Eh ben. Bon, bah, je peux redescendre au sol, moi, du coup. Hop, le petit tapis. Ouais, mais l'ob, je vois rien là. Hop.
Voilà, madame, le temps qu'elle réagisse, moi je suis déjà en haut. Ah, c'est longtemps que j'avais pas eu un petit crochet en cadeau. Ah, il y a du monde sur la place publique. Il y a du monde sur la place publique. Coucou. La 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 la. Oh, je peux pas m'en empêcher. Hop là. Non, ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Par contre, je peux faire un joli strike, je présume. À condition de monter là où il faut. Sauf que c'est trop haut. Je suis donc dans la mouise. Oh merde. Voilà. Oh, il y a des trucs à fouiller par ici. Oh, il y a des choses à fouiller, merveilleux. Gaz. Donc moi, il faut que je me barre par là-bas. Ouais, mais là, si je fais ça... Hop là, ah, on voit que c'est fait pour escalier d'angle en bon, quelque sorte. Ouch. M'a fait bobo le vilain. Ah, il m'a rejoint. Oh là, c'était gentil, la chute a été gentille. C'est trop bizarre par là-bas. Faut que je prenne l'escalier en fait. C'est en haut que ça se passe. Avec la lumière du jour en pleine poire. Violence. La baraque, elle est loin, la maison de Salim. Elle est vachement loin. Oui, tiens, je peux passer par en dessous au lieu de faire de l'escalade. Me fait discret, ça passe. Ah là, je suis sur les hauteurs, là. Là, la vue, elle va être imprenable. Elle est où, la maison de Salim? Oh là là, je traverse toute la ville. Waouh. Waouh waouh waouh. Ah, j'avais pas vu que j'avais la légende. Trop bien. Waouh, il est là-bas au loin le Mickey. Dans Far Cry là, comme dans Far Cry, vous avez pas un parapente. Je pourrais survoler tout le monde, domination totale. Comme disait un certain Bob Lennon. Ah, ça va, je peux descendre tout doux. Oh là là, il y en a du monde. Ça fait peur, ayez peur.
là, hop là, hop là. Alors, si je devais passer par là. Oh, alors qu'il y a des herbes à récolter. J'ai toujours pas fait ma chimie, moi. J'ai 14 milliards de tonnes de plantes. Et j'ai toujours pas fait ma chimie. Je sais qu'il y a des trucs à faire. Hop là, le tuyau. Oh, cool. Là, 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 passons par là où les zombies ne passeront pas. Doudi, doudi, douda. Ah, petit crochetage. Des petits crochetages des lémurs. Oh, des couteaux de jet militaire. Tiens donc. Hop, oui, je veux bien descendre sur les caisses histoire de pas me péter une jambe. Là, la camionnette va m'aider. Voilà. On peut peut-être l'ouvrir d'ailleurs. Non, elle est pétée. Oh, les gémissements que j'entends. Oh, Yul. Ah, je veux bien gagner une troupe de soins. Ça me fait trop plaisir là. Oh, fini lui. Oh là là, il y en a du monde. Activer piège lumineux. Oui. Bon, je crois que j'ai une fausse bonne idée. J'ai mal évalué la situation, je les voyais pas si nombreux. Et il serait pas mauvais que j'aille dans une planque histoire de. Oh là là, y a rien. Ah bah tiens, j'en ai une là de planque. Ah bah voilà. S'ils font suer une voiture de police. Alors. Matos. Que je gère mon matos. Oui, ça c'est le sac à dos. Non, stockage. Attendez, attendez, attendez. Réparation, je peux encore en faire. J'ai arrache-clou. Là, ouais, la batte va péter, donc je vais garder ça. Ça, je peux le ranger, je m'en servirai pas. Petits couteaux, les petits couteaux, ouais, les modifier. Oh, je vais pas me battre qu'au petit couteau. La hachette, je l'adore. Quand je vais devoir l'acheter, je vais être triste. Hey, j'avais pas vu que je peux améliorer mon arc. Puis là, il faut que je mette un truc de qualité sur l'arc, parce que... Oh, 5 réparations sur la pioche grossière. Oh, ça vaut le coup. La résistance de ce matos. Attends, l'arc, je peux avoir un truc additionnel vachement puissant. Roi. Améliore toutes les statistiques de l'arme. Ah ouais, allez, je vais prendre roi parce que... Si je peux améliorer à mort mon arc comme ça, je suis totalement pour. Améliorer avec roi. Ouais, sélectionner, hop. Yeah. Ah ouais, je vais en prendre soin de mon arc. Comme je sais qu'il pète pas, qu'il est... Voilà, qu'il est incassable, autant que je mette le meilleur dessus. Hein. Logique. Popopo, comment que je vais les déboîter? Alors, sac à dos, j'avais ça aussi, je peux me préparer une arme pour tout à l'heure. Alors, effet toxique, brûlure, saignement, électricité. Oh, la gerboulade, ça peut être rigolo. Ça, c'est fait. Waouh, 5 améliorations. Waouh, 3 modules. Oh là 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 là. Non, un champion, c'est pas mal là-dessus. Ouais. Ouais. J'ai bien rentabilisé le truc. Ah bah non, là, j'ai plus de modules. Non, mais j'ai plus de modules. Arrêtez de déconner. Mais je peux fabriquer un truc. La clé de Benjamin Franklin. Alors, saignement. Ouais, pour faire simple.
puissance, brûlure, effet toxique. Électricité, ça peut être drôle, hein, en même temps. Magnifique, magnifique. Moi, j'adore. Ah, trop bien. Oh, j'ai trop de plans, c'est beau. Ah oui, compétences. Agilité. Alors, qu'est-ce que je peux déverrouiller? Tacle. Frappez vos ennemis du coude pendant le free run. Bof. Non, attends, et oh, j'ai pas double cliqué. Retour de manivelle. Utilisez des armes de jet ou la torche UV tout en regardant derrière vous. Ouais, ouf. Ça, je me vois pas le faire. Roulade avant. Pour augmenter la hauteur de laquelle vous pouvez tomber et survivre, appuyez sur F juste avant de tomber sur le sol afin de réduire les dégâts de chute. Castibia. Portez un coup de pied à une glissade pour essayer de casser les jambes de l'ennemi. Oh, c'est super technique. La roulade avant, ouais, allez. Je pense que la roulade avant, mais il faudra que je maîtrise le truc. Ouais, que je maîtrise le truc. Et j'ai pas mal de quêtes annexes à faire avant de revenir à la quête principale. C'est énorme, ça fait durer le jeu, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, normalement, j'ai mon matos au taquet. Oh, c'est pas drôle, vous êtes pas assez nombreux, les gens. Voilà, je monte sur l'ambulance. Venez, venez. Venez, venez. Attends, j'ai... Dans les objets, je dois avoir les pétards. Ouais. Non. Oh, j'ai failli tirer. Faut que je change d'arme, j'ai fait une bêtise. Sélectionner les pétards. Comment ça, déséquiper? Ah, je sais plus. Ça y est, ça recommence. Comment je fais pour changer mon accessoire? Ah, c'est comme ça. D'accord. Allez, regardez la jolie truc. Ah oui, regardez comme c'est beau. C'est un son en couleur. Mais oui, venez les petits. Non, vous n'êtes pas trop devant non plus. Voilà. Et boum. Je ne m'en lasserai jamais. Allez, mon excité, viens. Il va peut-être préférer la... Oh merde, j'en ai deux. Alors, vous venez ou pas? Allez les chouchottes. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle crie sans cesse, elle fait quoi? Ah. Comme là. Ah. Petit couteau, non? Ouais, lui aussi c'est un super d'accord. Ouch. Oh, magnifique. Et il a giclé, il s'est éclaté le crâne au sol, c'est merveilleux. Allez, c'est mon petit plaisir du dimanche matin. Une fois n'est pas coutume, là comme je peux pas faire du Final Fantasy. De la récolte a sonné. Après ce carnage épouvantable, alors
La 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 la. Hop, 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 hop. Oh, oh, je peux même récupérer mes flèches, c'est bien. Oh, monsieur pauvre, c'est complètement abusé. Alors. Ah, j'ai chargé mon coup, mais alors d'une violence. Ah, bah oui, je peux la ramasser la flèche. Là, pareil. Merde. C'est lui qui m'a chopé. Ah, ils sont chiants. Ah, je récupère ma flèche, trop bien. Oh, mais... C'est d'un chiant. Mais c'est d'un chiant. Et c'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Alors, je m'attendais pas à voir le son de l'alerte sur le portable. Là, j'ai pas compris. Bonjour, Torota. Merci pour le relais de chaîne. Allez, barre-toi. Bon. Oh, merde. Message de FunFan 1992. Bonjour et bienvenue dans la communauté Torota 77. Ah oui, bonjour à Torota. Bon, ça va, on a la pêche. Bon, je peux plus diffuser les consoles à cause d'un problème technique, donc il n'y a pas de Final Fantasy comme ça aurait dû être prévu ce matin, je suis désolé. En fait, en changeant mes câbles, je redis à ceux qui viennent d'arriver... J'ai un câble trop long et je perds le signal. Donc j'ai une seconde le signal et une seconde la mire alternativement. Donc c'est absolument pas diffusable. Oh, je lui ai tranché au niveau du torse. Ok, c'est horrible. Allez, encore un autre. Vas-y, barre-toi. Deuxième service. Bon, je vais peut-être aller à ma mission. Moi. Ah, j'ai pas ouvert la fourgonnette. Non, attends. J'ai oublié d'ouvrir la fourgonnette. Je suis bête, moi. Ah. Attends, j'entends des cris, mais... Bah oui, j'ai comme gagné une trousse de soins. Faut arrêter. Après tout ce que j'ai fait. Oh non, mais c'est pas vrai. Ah. Ouch. Alors. La baraque des gens pas heureux. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est ça. Ouais, beau. Attends. Attendez, il me faut de la lampe torche. Ah, c'est cool, j'ai gagné une bonbonne. C'est pas pour me déplaire, ça. Tiens, attrape. Voilà, on va mettre la bonbonne là. Oh non, j'ai encore des exclus. Bah oui. On va mettre les petits pétards. Allez, ça va être rigolo. Merde. Toi, dégage. Oula, il y en a trois qui répliquent. Oups. Oups, oups, oups. Ça fait beaucoup quand même. Ah, il y en a un qui m'a repéré.
Ah, une sucrerie, c'est bien tombé. Il y a encore des planches sur le... Ah, je peux ouvrir directement. Mmh. Mais du coup, c'est cette baraque-là ou c'est... Est-ce que je peux... Bien, il s'accroche au barreau. Non, t'étais pas obligé, tu pouvais... Merder ton assaut. Ok, tout va bien. Une assiette, ok. Non. Le workshop? Oh. Ce serait la baraque là? Ouais, attends, je suis vachement haut. Pour redescendre, vas-y. Oh là là, vas-y. Oh, comment elle a fait? Ah ouais. Ah ouais, fortiche. Faut dire disparaît et que ça saute. Ah, t'es pas réveillé, Fanfan? Oh. T'as du mal? Bah, ne me dis pas que t'as passé une mauvaise nuit quand même. Ah, j'entends une voix humaine. Hein? Je voulais faire longue vue façon... Attends, c'est un gars de Rice ou... Merde. Je voulais viser... Oh, magnifique. Cette décapitation. Mais attends, mais c'est qui? Oh là là, il y a une Rix avec un gars. Ah, je tire trop loin en fait. Ah, j'en ai eu un. Ah ouais, je l'ai eu. Je l'ai eu à la flèche. Mais vous allez arrêter, oui. C'est n'importe quoi. Bon, il y a vraiment un gars qui est dans la mouise qu'il faut que j'aille aider. Alors, attendez. Salut. Oh ouais, non, je comprends son discours parce que... Bonjour, Dragon Sky. Je crois que le gars est mort. Qui me parle? Ah, c'est lui. Attends, moi je vais récupérer mes flèches, moi. Excusez-moi, mais... Hé hey. Alors, messieurs, dames, arrêtez! Ah, ça tombe vraiment mal! Voilà.
J'ai une récolte à faire dans ce carnage épouvantable, dont mes flèches. J'ai des flèches recyclables. J'adore. Mais l'arc, c'est l'arme parfaite. Oh là là. Attendez, il y a des cadeaux partout, là. Vous, Dudu. Bref. La baraque, elle était là-bas. Voilà. Oh, mon arme, elle est endommagée. C'est ce qui a failli lui arriver, le coupage de tête. Commence à construire une serre pour les pommes de terre et tout. Oh, classe! Oh, faudrait peut-être que je te rende visite en début d'après-midi avant de faire le camion, Torota. C'est trop bien. Captivant ce que t'annonces. Oh, l'autre il s'est planté dans le... C'était sûrement le résultat de l'explosion. Oh là, j'ai perdu plein de flèches. Rendez-moi mes flèches! Rendez-moi mes flèches! Alors, donc la bonne baraque. Oh, j'ai pas ouvert le frigo. La bonne baraque, c'est oh, des steaks hachés. Ah oui, d'accord, des steaks hachés. Le mec, il les mange en barre de céréales. C'est spécial, Aran. Comment ils font les steaks hachés? Nous avons des choses. Ah, pardon, je fais un... Là, je peux pas... Non, je peux pas sauver le truc. Parlez à Salim. Salim Malikoum. Une petite malle qui est pas verrouillée. J'ai qu'à me servir dedans. Alors, Dragon Sky, j'étais mort de rire hier soir avec mes clips que j'ai créés dans mon direct d'hier soir. Ouais, c'est bien. Ouais, je t'ai regardé un petit peu avec les Pokémon, c'était rigolo, ça changeait les idées. Ça me rappelait l'époque de mon neveu. Mon neveu joue beaucoup aux Pokémon. Tac, 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 tac. Mais je vérifie que je vous ai pas mis devant, je regarde les messages dans le chat. Raphaël Farmer. Il y a un petit trou, une petite trappe. Mais tout ça pour bien. Il faut que je toque peut-être tout simplement à la porte. Sauf qu'il ne me propose pas. Oh, Salim. Salim, salam alaikum. Voilà. Salim, Salim, il faut qu'on parle. Va-t'en, je suis armé. Alors t'as intérêt à dégager d'ici. Tu dois laisser Aïda partir. Qui c'est Aïda? Ah, cette imbécile de femme. Elle est morte. Elle était infectée. J'ai dû la tuer. Sa fille dit que tu as de l'antisine. Je sais pas de quoi tu parles. J'ai rien à voir avec ça. Je ne partirai pas sans elle. Ah ouais? Tu veux qu'on s'amuse? Si j'invitais un peu de monde à la fête. Oh, super. Éliminer les infectés. Il l'a fait. Oh pff, n'importe quoi. Au suivant. Au suivant. Perdu la tête là, madame. Ah. Voilà, coupé en deux. Suivant. Alors, on est venu régler l'antenne. L'antenne radio. Ah.
dernier pour la route. Bah alors. Oh, ils sont mauvais. Bon, je commence à fouiller des cadavres. Hop là. Ouh. Alors, t'es où, Eh ben, dis donc, on peut dire que j'ai eu chaud. Tuer Salim. Fouiller l'atelier de Salim. Je suis là. Non, il vient à l'angle, cet idiot. Oh, le con. Quand j'en aurais fini avec toi, je retrouverai ces gosses pour nourrir les rapaces. Oh là, comment je l'ai viandé. Ah. Ouais, ça sert, peut servir. Je vais peut-être la recycler en je sais pas quoi. Bon. Alors, est-ce que je peux fermer la porte? Non. C'est drôle. Ah, attends, je vais commencer par l'étage supérieur. Ouais, c'était barricadé, le gars. Enfin, du moins, il avait bien verrouillé les accès. Oui, à la sortie de la vanne, t'as un nouveau follower. Non, mais c'est bien, Dragon Sky. Très, très bien. Ah, le bonheur sur Twitch, c'est quand vous pouvez partager votre bonne humeur. Ça, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est quel parfum pour les chiottes? Je sais pas, c'est un truc générique. Parfum fleur. La 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 la. Le monsieur, il était fumeur. Oh, pas bien. Oh, une statuette. J'ai failli ne pas la voir. Ah, il y a du crochetage difficile. Je vais en baver. Comment ça, utiliser? Ah bon? Non, il y a quelque chose de cassé. De caché, pardon. Pas de cassé. Ah, il y a une trappe. Oh. Oh, oh, j'aime pas le sang. Il y a quelqu'un de vivant ici? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, elle est vivante. Ouf. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui vous a fait? Bonjour, madame. Doucement, vous êtes libre. Yasmina, ma fille, elle est partie. Elle va bien, elle est rentrée au village. Votre fils est toujours caché dans la maison où vous l'avez laissée. Qu'est-ce que je vais faire? On ne peut pas rester au village. Haroun va de nouveau nous jeter dehors. Vous allez prendre vos enfants et les conduire à la tour. Là-bas, vous irez voir un médecin qui se prénomme Lena. Dites-lui que Crane demande à ce qu'on s'occupe de vous et qu'il fera en sorte qu'il y ait assez d'antisine pour vous et votre fille. Vous êtes Crane? Oui, 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 c'est moi. À présent, retournez voir Jamil. Il vous attend. Yasmina est avec votre sœur. Merci de votre gentillesse. Je pensais que c'était une valeur disparue. Mmh. Ouais. M'en parle pas. Oh là 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 là. Horrible. Juste un pot pour déféquer. Oh, quelle horreur. Et il reste d'ailleurs. Oh. Bref, normalement je devrais avoir une récompense avec les casiers verrouillés. Je m'assure d'avoir rien oublié. Il n'y a pas de notes, il n'y a rien, il n'y a pas un plan d'armes. Non, visiblement. Bon, allez, deux petits crochetages difficiles. Là, j'ai en bavé. C'est au poil de cuprès. Merde. Oh, les salauds. Ah, c'était tout au bout. Ah, les salopards.
Oh, Berserker et de la thune. Allez, suivant. Allez, j'ai commencé par là. Évidemment, ça marche pas. Bon, voilà, j'ai fait les deux extrêmes. Je suis satisfait. Ah, ah, ah. J'ai quelque chose. Ouais. Donc là, normalement, j'ai tout fouillé. Ouais. Bon, bah fini avec le tortionnaire. Ramasser l'arme, l'arme ultime. Oh, elle est où l'arme ultime? Oh, elle est loin. Elle est loin, l'arme ultime, elle est là-bas. Allons-y! Je suis en joie! Ouch! La 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 la. Ouais, on va descendre dans le dans les bas quartiers. On va aller au bord de l'eau. On va aller se rafraîchir un peu. Faudra pas oublier la crème solaire. Et la serviette de plage. Offrons-nous du rêve. Tiens, il y a quelque chose ici? Ah oui, sûrement. Sûrement, sûrement. Je veux bien de la bouffe, voilà, comme ça. Comme j'ai pas la barre de vie à fond, c'est apprécié. Oh, magnifique! J'ai bien fait de faire escale dans cette maison. La maison du bonheur. Pouk. Boîte de conserve. Un petit panier. Petit panier avec une corde. Oh, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Salle de bain. Mmh, ouais, ou sanitaire. Oh là là. Ah, pédu. Pédu, pédu. Non, je pense pas que ça vaille le coup de... Non, c'est verrouillé. Ah, c'est verrouillé. Y a rien d'autre. C'est quoi cette photo? Ah non, c'est le beau tableau, mais en format réduit. Donc, ça n'a absolument aucun intérêt. Boyou! Oh, y a rien du monde. Hop là. Voilà, poussez-vous. Oh! Y a quelqu'un qui a une bonbonne de bise. Allez, amuse-toi. Bon. Ah, ah, je suis caché sous le pont. Vous me verrez pas. Pipipapon sur le chihuahua. Ah si, vous m'avez vu. C'est ce qu'on... Oh. Oh, mais attends, mais c'est une caisse. Attends, oui, viens toi. Allez, remplis tes poumons d'eau, va. Tu vas te bien calmer. Ah oui! Oh, magnifique! Eh ben, j'aurais pas fait l'idiot que je l'aurais pas vu. Il y avait une caisse humanitaire sous le pont. Énorme. Eh ben, dis donc. Eh ben, elle est pas mal, celle-là. J'aurais jamais cru. Tiens, tiens. Ce bord de flotte m'intrigue. Le car avec le truc ouvert, à mon avis, il y a un truc à faire quelque chose dedans, non? Ou pas? Attends. Ouais, bizarre. Fouillé. 9 dollars. Ça va pas loin. Ah, fouillé. Couteau en cuivre. Ah ouais. Waouh, il y en a des choses. Fouillé. Non, bah après ça, c'est pas mal. Par contre, pour remonter, ça va être sport. Si ça va. Voilà. Oh. Il retombe dans la fosse, que nous deux. Oh, j'ai l'excité qui m'a repéré.
Allez, viens l'exciter. Merci. Eh ben, le gain que j'avais avec ce que j'ai grignoté dans la baraque est déjà perdu. Avec les mandales qu'elle m'a mises. Enfin bon. Ibi. Je vais me faire bobo. Bon, ça va. Parce que le barbelé, j'étais pas chaud. Alors, la dita arme ultime, elle est où? Ah, bah, elle est du côté du tordu, là, non? Celui qui était au pied du pilier du grand pont, du grand viaduc. Ah non, c'est là. J'ai rien dit. C'est quoi, l'arme? Ah ouais! Voyons voir. L'arme ultime. Tuer 40 infectés avec une arme spéciale dans le temps imparti. Difficulté facile. Allez, je vais relever celui-là. J'accepte. Allez, 3, 2, 1. Putain, j'ai une 20 pour trucider 20 zombies. Et 2, 1. Allez, suivant. Hop. Hop. Oh, c'est un carnage. Allez. Et on fait sauter les têtes. Palapalapala. Vite du monde. Les zombies, vous êtes où? Les zombies, vous êtes où? Vous êtes là, oui, magnifique. Non, pas magnifique. J'ai merdé du coup. Quand je me soigne. Je suis pas dans les. C'est pas bien, je suis pas dans les délais là. Mon ratio est pas bon de carnage. Voilà, j'ai 3 boss avec moi. Non, 4. Oh putain, j'avais pas vu le mec en orange. Non, j'ai fait la moitié, il reste 20 secondes. Ça va pas, les gars. C'est pas fiable, votre truc. Non, je vais... Oh, et le défi est dit facile. Vite. Amenez-vous. Ah non, merde. Ah, c'était pas mal de les avoir en bande. Non! Veux-tu que j'avance si tu réussis pas à tuer suffisamment de zombies, hein? Nya 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 nya. Hein? Ah si, j'ai le droit de la refaire. Voyons voir. Ah oui, je vais la refaire. C'est rigolo. Mince. Oh, décidément, faut que je fasse. Faut que je me barre en bas. Faut que je me barre en bas. Alors, Oh, mais bah, c'est le premier. Ouais, bah, il me rejoint à rond. Il me rejoint à rond. Venez à moi, les enfants. Merde. Non, ça, c'est pas cool. Voilà. Oula. Merde. J'ai voulu sauter pour esquiver l'attaque, j'ai merdé. Merde. Oh merde. Eh non, c'est pas facile, je conteste. Oh, une ambiance de malade en plus. Allez, 27-42. Allez, plus, carnage, 8, 7, allez, j'y suis presque. Venez à moi vite. Merde, ma mordu. Oh là là. Comment veux-tu que j'avance si tu réussis pas à tuer suffisamment de zombies, hein? C'est un défi dit facile. Je galère, je vais faire un troisième essai. Je n'ose imaginer des défis difficiles. On y retourne. Je veux réussir ce défi et je veux cette arme magnifique. Free.
2, 1, go. Allez, je file tout de suite en bas. Je vais dans le tunnel. Bonjour, messieurs dames. Bonjour, messieurs dames. La plaque, la change. Oh merde. Waouh, eh oh, les boss, ils sont déjà là. Mais, eh. Pourquoi mon coup, j'ai pas pu le charger? C'est scandaleux. Voilà. Pas mal. Là, le rythme est bon. C'est épouvantable, mais ça fonctionne. Oh, il m'en manque 3. Il reste 30 secondes. Ah non, pas lui. Toi, tu comptes. Oh, vous, vous comptez pour les gars. Vous êtes des gros colosses de Naboo. Merde. Il m'en manque un et puis c'est lui qui tombe. Merci. Je dois avouer que ce truc est plutôt efficace. La batterie, par contre, ça me paraît pas gagné. C'est pas un souci. Je peux l'améliorer, je pense. Ouais. Il faut que je fasse quelques tests supplémentaires. Avec ton aide, bien entendu. Évidemment, c'était trop facile. Ah, l'âme ultime, il me faut ce matos. C'est beaucoup trop tentant. Bon, je suis dans une sécurisée, il y a un marchand ici. Toi, tu marchandes ou pas? Non, toi, tu déprimes. J'ai une quête. Ah, j'ai des quêtes au tableau. Attendez. Herbe de mariée nocturne. Récupérer des échantillons d'herbe de mariée nocturne. Alors, c'est du gurcel. Tout le monde sait qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, mais pour le poisson, il faut des appâts. Et les meilleurs appâts, c'est ce qu'on appelle les herbes de mariée nocturne. Les poissons en sont dingues. On leur a donné ce nom parce qu'elles brillent dans la nuit comme les mariées. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Personnellement, le mariage, je connais pas. Bref, c'est drôle. Enfin, si on veut. Ces herbes poussent dans le parc, mais on les voit que de nuit. J'offre une belle récompense en échange de 5 échantillons. Oh, c'est rigolo ça. Ça, c'est original. Alors, autre mission. Herbes empoisonnées. Mode histoire, trouver des herbes empoisonnées. C'est de Moussa. J'ai besoin. Quoi? D'aconite. Ah, c'est le nom de la plante. J'ai besoin d'aconite pour empoisonner des lames. Cette plante est facile à identifier avec ses fleurs violettes et ses longues tiges. Elle pousse, autant dire que c'est du digital, quoi. Elle pousse dans les ravins du côté ouest du quartier, près des ruisseaux. Quiconque en apportera obtiendra une récompense. Signé Moussa. Je prends toutes les options secondaires, tertiaires, y a pas de souci. C'est rigolo. Alors, je veux un marchand, messieurs, dames. S'il vous plaît, monsieur le marchand. Pourquoi vous êtes dans le noir, monsieur le marchand? Ah, tu es là. Je t'ai même pas vu tellement qu'il fait sombre. C'est malin. Ah, par contre, faut que je rachète des flèches, moi. J'ai fait le foufou avec. Plastoc, ouais, je veux bien acheter. Un bas de copie de produits chimiques, ouais. Non, ça, j'en ai trop. Oh, couperet d'abattoir. Oh la vache, réparation 5, mais il coûte 11 000 $. Non, je vais garder mon fric, on sait jamais si je suis vraiment dans la mouise, mais ça se passe bien. Oh, objet de valeur, 1 750 $. Cool. J'ai pas perdu ma journée. Merci, monsieur. C'est merveilleux. Wow, il est déjà midi, le temps passe trop vite, j'ai abusé, oye, oh yeah, oye. Oh, mais hé, je peux déjà reparler à Tobias? C'est quoi ce délire? Je m'attendais à me barrer à Pétauchnock et puis qu'il se passe au moins un ou deux jours avant qu'il me propose un truc. Mais non, je peux déjà venir le revoir. Tiens, je me demande ce qu'il va me dire. Ah, on peut fermer la porte. Alors, qu'est-ce que t'as à me proposer, gars? Crane, tu tombes super bien.
J'ai amélioré ma machette. Ta machette, je veux dire. Tu devrais voir une différence. Enfin, si elle tombe pas en panne, bien sûr. Tiens, essaie. Et tu me diras ce que ça donne. Ramasser l'arme. Oui. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, paraît-il. Alors, intermédiaire la difficulté. J'ai encore en bavé davantage. Tuer 50 affectés avec l'arme spéciale dans le temps imparti. Merde, ça va finir en mode ultra balèze. Oh la vache! Mais quel enfer! Tu démarres encerclé par les zombies. Au bout du pont, c'est dégueulasse. Merde. J'avais pas vu que c'était un gazeux. Il faut que j'apprenne quand même dans ce carnage épouvantable à distinguer mes ennemis. Comment veux-tu que j'améliore ce truc si tu l'utilises pas correctement? Gna. Pas très logique tout ça. Allez, repropose-moi le défi. En forgeant qu'on devient forgeron, paraît-il. Allez, go. Oh la vache. Attention. Ah merde. Oh là. Ouh, c'est le carnage. C'est épouvantable. Aïe. Alors. Je suis à 35-50, il reste une minute. Ça sent bon mon truc. Ça sent bon. Il faut que j'en zigoule d'autres. Merde. Oh, oh, j'ai eu du bol de pas crever sur ce coup-là. J'avais pas vu que j'avais décapité un gazeux. Ouais. Ça a marché, pas trop mal. Je crois que je me suis brûlé les sourcils, mais bon. Super, super. J'ai pas le temps, là. On n'est plus en sécurité, ici. Je te contacterai par radio quand j'aurai trouvé un autre endroit. Il faut que je file. Merci. Bonjour, Coupon. Merci, bon app, oui. C'est un peu sanglant, mais... merci, merci. Retournez voir Tobias quand il aura autre chose à vous proposer. Parce que l'arme, franchement, c'est vrai qu'elle est extra. Surtout si elle est considérée après comme l'arc. Comme étant inusable, incassable, je vais être heureux, je vais me sentir à l'aise pour la suite, quels que soient les monstres. Je pourrais avoir du répondant. Ah oui, c'est satellitaire commun, je vais peut-être pas aller là-dedans, moi. D'ailleurs, vous pouvez peut-être fermer la porte. C'était peut-être pour les odeurs. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai ma récompense. Voilà. Cette femme est traumatisée à vie. C'est horrible, elle ne dit plus rien. Là, il y a quelque chose. Ah, c'est ouvert. C'est ouvert de l'autre côté. Je veux visiter. Bon, entre nous, Poupon. En espérant que tu ailles bien. Oui, bisous. Oui, t'as dû supprimer la rediff donc hier soir. J'espère que tu t'es quand même pas fait avoir par les droits d'auteur là. C'était sympa. Honnêtement, j'ai écouté la première heure et puis après je suis allé me pioter parce que je tombais comme une pierre et boum. J'ai reconnu deux chansons, je crois. Une sur. Alors je pourrais pas dire le nom, mais le titre me parlait. Enfin, la mélodie me parlait. Alors attends, mon inventaire. Oh, je vais peut-être m'arrêter là pour ce matin. On reprendra sur du... Ah, faut que je répare. Merde, je peux plus réparer. Bon ben on va la démonter. Elle est complètement pétée ma truc. Ça c'est bon. Ah, ça c'est pété aussi. Ouais, dommage. Bon ben on va la démonter.
Alors, battre marquable modifié, ça va là. Oh, j'ai une jolie serre. Ah, puis j'ai la giga pioche. Voilà. La serpe, je peux sûrement déjà la fabriquer en je sais pas quoi. Exorciste ou gerboulade. Allez, exorciste. Alors, honnêtement, peu importe, au pire, je repasserai sur YouTube. L'important, c'est le plaisir procuré à Nash, en tout bien, tout honneur. Ouais, dans les cages à miel, comme tu le dis si bien. Ouais, je trouve que c'est quand même risqué, enfin bon. Ouais. Moi, je t'avouerais, je l'aurais pas fait. Enfin. Épée qui pue, électrocuteur, gerboulade. L'épée qui pue, ça peut être drôle, pour le couteau. Est-ce que j'ai un module? Ah oui, mais oui, j'ai des modules. Paladin, résistance. Allez, je suis fou. Je suis fou, je suis fou. La serpe, pareil, je peux l'améliorer. Allez, je vais mettre Berserker. Résistance, dégâts. Ouais. Allez, comme ça, j'aurai du matos de qualité. Ça fait plaisir. Oh, et compétence. Ah non, j'ai pas de points. Merde. Je me disais, j'ai des points. Wow, les quêtes annexes, j'en ai 7. Wow. Alors, trouver des jumelles. Algues. Ah ouais, d'accord. La paire de lunettes. Trouver les lunettes. Le fils prodige. Le projecteur. Oh là là, il y a trop de trucs à faire. Suivre la quête des lunettes. C'est où la mission des lunettes? Si c'est loin, je... Ah ouais, c'est loin quand même. Ouah, je le ferai pour une prochaine fois. Ce que j'allais dire, je commence à avoir faim. L'amour du risque, Jonathan et Jennifer. De justice et milliardaire. L'amour du risque. Cochon, va. Hop, voilà. Oui, question de Nashman envers Poupon. Mais je me joins à Nash pour la question. Tu prévois pour quelle heure déjà ton direct? Le prochain direct? À 21h. D'accord. Je réfléchis. Ah, j'ai eu peur. Oh, hey, la dame devant, je sais pas si vous voyez bien avec ma résolution, qui était courbée en train de bêcher, j'ai cru qu'elle était zombifiée et qu'il fallait que je la zigouille. Et pendant une seconde, j'ai eu un gros doute. Je me suis dit, mais pourquoi elle est postrée comme ça? Enfin bon. Je serais tenté de Miami maintenant. Je vous fais un relais de chaîne chez je sais pas qui. Et puis on se retrouve vers 13h, 13h30 pour du... On va peut-être faire du camion toute l'après-midi, je sais pas, on va voir. Je pense que vous êtes déjà sur du camion, si je ne m'abuse. Alors, j'ai de fortes contraintes familiales depuis quelques mois et j'aurais préféré diffuser l'après-midi, mais je peux pas. Ah, ouais, ouais. Ouais, c'est terrible, ça. Ah oui, puis c'est terrible. C'est vrai que je peux pas dire. Ah oui, j'ai parmi mon plan face caméra complet. Ouais, il faudra que j'essaie de peut-être les touches à midi. Ouais, bon appétit, bon après-midi, bisous. Je vais voir chez qui je peux vous mettre en relais de chaîne en attendant. Ouais, je reviendrai à partir de 13h, aux environs 13h30, je pense. Je vais me grignoter différents trucs. Faut que je finisse ma pizza d'hier. J'ai mangé que la moitié. Je mange raisonnablement en ce moment, c'est bien. On va dire que je fais des économies en même temps. Twitch. Chez qui je peux vous faire un relais de chaîne? Merci Torota d'ailleurs pour ton relais de chaîne tout à l'heure. Oh, il y a Steph Leflou qui fait du Minecraft. Petit Seb qui fait son jeu d'horreur. Ah, Devil Olive. Ça fait longtemps que je l'ai pas... On va aller chez Devil Olive, ça fait longtemps que je lui ai pas fait un relais de chaîne, il est adorable ce garçon.
Allez, prenez soin de vous, bon app, à tout à l'heure, merci pour tous les copains. Je vais essayer encore d'améliorer ma coulisse entre midi et deux. Allez, à tout à l'heure, zou. Et coucou le sage. Et merci pour ton raid. Mmh. C'est un peu fort ça aussi. Enfin, je le baisse. Ouais, c'est un peu ça qu'on est en train de faire là. On est en train un peu de. Notre entrepôt est plein. Tout de suite. Bon, là, c'est pas 300 non plus là. Je sais même pas si j'ai arrêté mon direct. Tu attrapes le chariot ou quoi là? C'est là, n'importe pensé. Quoi. Attendez, c'est le boxon. Avec c'est le soleil, je vois. Et coucou, fan. Qu'est-ce que tu nous faisais de.